Tu vois, ça aurait pu passer inaperçu en fait. Tu t'es auto-saboté. En fait, je m'en suis piqué ton. Ou quoi ? D'accord, ça sent bon. Pourquoi il y a un vin spécial, Dieu? Ça sent très bon, hein. Du sauvignon, et puis du coup, vous mettez des fruits dedans? Ouais, des oranges, beaucoup, un tout petit peu de citron. Attention, attention. Vous voulez faire un blanc? Ah oui, okay. Bien, bien, bien. Ah oui. On peut changer les notes, ouais. Dans un allez, instant. Allez, on va aller. Il y a beaucoup de choses. Donc, nous, où allons-nous? Chose comme ça. Et les organisateurs de cette soirée ont jugé plus important. On s'intéresse aux boules de Noël. Donc, c'est comme vous voulez, hein, c'est vous qui. J'ai un peu du mal à croire que ça puisse. Avec l'intention de vous projeter dans l'esprit de Noël, vous faire écouter un morceau qui est donc un morceau certainement bien connu de certains d'entre vous. Et je crois que c'est ici. La chanson, évidemment, qui a pour but de nous propulser dans l'esprit de Noël, dans la magie de Noël, c'est celui-ci. Ça fout les boules. Détends-toi. Ça va très bien se passer. Il n'y a plus de vin chaud. Autant du clair de la terre, autant des fusées. Autant du clair de la terre, qu'est-ce qui te fait rêver? Je pense à Noël. Je pense à Noël. Du sujet, je voudrais adresser quelques remerciements, évidemment. Des remerciements sincères à Charles André et Maëtte qui ont convié l'Université du Tout-Savoir aujourd'hui. Je voudrais également remercier et en même temps vous présenter le Grand Orchestre Philharmonique du Conservatoire des Improvisations Oubliées. Pour faire simple, le GOP-CIO. Alors le GOP-CIO est un...
est un orchestre qui s'est, en association avec l'Université du Tout-Savoir, donné pour mission de réactiver toutes les improvisations musicales qui ont pu avoir. Un peu étonnant, du coup. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on entend ? Nickel. Vous voyez, hein. Donc là, évidemment, ça va vous permettre de vous orienter un petit peu dans cette petite prise de parole. 2, les boules, 2, 3, les boules. 1, 1, les, 2, boules, 2, 3. Noël, bon. Il y a 4 mots, mais il y en a vraiment 2 qui sont importants. C'est plus, peut-être plus important que les autres, c'est le terme, évidemment, boule. Le terme boule. Boule, boule, boule. Ruche. Cinquantaine. Cheville, chaperonné. On n'est pas dans les... Bretzel. Bretzel, on s'approche. Boule. Nom féminin. Donc on dit une boule. On va voir que c'est un dictionnaire qui est un petit peu daté. Il y a certains sens du mot boule qui ont surgi depuis, donc on en parlera. On parle de tout. Genre. Donc, nom féminin. Corps sphérique. Mais la forme du sapin, elle apporte quelque chose de plus qui, en termes de théologie, est intéressante. C'est que c'est un triangle. Alors un triangle, évidemment, pour ceux qui d'entre vous ont un peu pratiqué la religion catholique ou n'importe quelle autre religion chrétienne, le triangle, c'est évidemment le arrondi. Ça n'a aucun sens, quoi. Père, le fils, on n'a pas encore, on comprend pas bien l'anatomie d'un plan de houille. Simplement, on peut être touché par le fait qu'un plan de houille, il y a ces jolies petites boules rouges qui poussent, alors que dans un sapin, bon, c'est souvent des fruits un peu pas quelconques, mais pas très très intéressants. Ouais. Ils ont comme des écailles un peu marron. Et ce qui devait arriver arriva. Le chêne fragilisé a fini par trembler. Et il s'est couché mollement sur le côté, en écrasant tout. Évidemment, les villageois au loin qui ont vu cet arbre tomber, comme ça, se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Ils ont grimpé 4 à 4 la colline et ils ont vu 5 colombans. Fier de lui, avec sa hache sur l'épaule, bien content. C'est cassé du Made in France. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elles sont faites en Pologne, les belles boules de Noël. Et les moches boules de Noël, elles sont faites où? Elles sont faites en Chine. Et pourquoi? Parce qu'il y a des inconséquents qui donnent dans la guirlande, qui donnent dans l'étoile, qui donnent dans le givre en spray. Voilà. Regarde-toi dans une boule de Noël et tu prends conscience de tes crimes. Alors, quelle meilleure façon de conclure cette petite allocution? Vous avez fait le vrai plan, vous êtes déjà? Ouais. Ah oui, il y a autre problématique, ouais. L'idée serait que tu joues aussi sur ça? Bah oui, donc du coup, je vais... Thank you.
Thank you.
Yeah.
faiblesse. Voilà, c'est hyper sensuel. Je sais pas si c'est la castration qui joue, mais. Raoul oui. Dis-leur. Tu vas te poser un peu, tu vas te filmer. Hein. Attends, tu rigoles, j'arrête pas de danser depuis tout à l'heure. Te dis, moi, je rêve de deux personnes, c'est de Victor Itangui et de Sam Roland. Moi je rêve de Raoul. C'est vrai. Du chat. Ouais, il se lèche le cul, j'adore.